Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu encore une fois dans le titre, on va parler d'une marque coup de cœur pour moi. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, le blog, etc., vous savez que c'est une marque que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. C'est donc la marque Anastasia Beverly Hills avec donc ses palettes pour les yeux. C'est au niveau palette ma plus grosse collection, clairement. Dans une seule marque, autrement j'ai d'autres palettes, mais j'ai une, deux palettes de chaque marque. Là vraiment, j'ai, comme je vous disais, quasiment toutes les palettes. Je fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que j'ai eu plusieurs questions, plusieurs personnes qui m'ont demandé, je voudrais m'acheter une palette ABA, je sais que toi tu les adores, mais laquelle choisir? Parce que c'est vrai qu'elles sont toutes belles et elles sont toutes très différentes. Donc c'est pas forcément facile de faire un choix, je vous comprends. Et si vous regardez cette vidéo en espérant derrière faire un choix, sachez qu'à l'heure actuelle, je n'aimerais vraiment pas du tout être à votre place. On va parler des palettes qu'on peut trouver actuellement sur le site anastasiabeverlyhills.uk, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un site anglais donc, qui livre en France sans frais de douane. Voilà, vous regardez le taux de change, mais enfin moi j'ai commandé plein de fois sur ce site-là sans regarder le taux de change, j'ai jamais eu de problème, moi j'ai jamais eu de soucis là-dessus, j'ai pas commandé une palette en pensant que j'allais payer 50€ pour la payer 70, quoi, ça m'est jamais arrivé, voilà. Petite parenthèse, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo à ce moment-là? C'est parce que dans une semaine pile, enfin pas dans une semaine pile, vendredi 23, il y a le Black Friday, voilà. Il faut savoir que sur le site UK d'Anastasia, donc comme je viens de vous dire, voilà, vous pouvez commander sans problème, vous avez de superbes offres pour le Black Friday. Le Black Friday, si vous connaissez pas, c'est en fait le vendredi noir, donc traduit en français. C'est parti aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas les soldes comme il y a en France à chaque saison en fait. Chaque enseigne en fait fait de superbes promotions. Donc voilà, c'est vraiment, en plus un mois avant Noël, c'est vraiment voilà, le moment où les Américains font leurs achats. Moi, je fais ça aussi parce qu'en plus en France, ça arrive de plus en plus et en Angleterre, c'est aussi le cas. Avant de vous jeter sur votre palette, surtout si c'est pas la dernière qui est sortie, parce que généralement la dernière sortie, ils la soldent pas. Mais si c'est une palette qui est sortie il y a quelques temps, la Modern Renaissance, la Soft Glam, même la Norvina, hein, ça se trouve elle sera soldée. Et bah écoutez, attendez le Black Friday pour craquer parce qu'il y a de fortes chances qu'en allant sur le site Anastasia UK, vous trouviez votre palette avec un beau pourcentage. Bref, voilà. Donc là, vous avez tous les bons plans, vous savez tout. Maintenant, il vous reste plus qu'à choisir quelle palette vous voulez pour pouvoir l'acheter du coup. Je vais commencer par un petit topo entre guillemets sur comment choisir une palette de manière générale. Le premier conseil que je peux vous donner, qui est évidemment valable pour tous vos achats make-up, tous vos achats tout court d'ailleurs j'ai envie de dire, choisissez par coup de cœur. Quand vous voyez la palette et que vous vous dites wow, ok celle-là ouais j'ai un énorme coup de cœur sur elle et tout machin, là j'ai envie de vous dire achetez celle-ci. Et c'est là qu'on va le plus se maquiller avec, si la palette nous inspire en fait, tout simplement. Si les tonalités, si les teintes vous inspirent, forcément vous allez avoir envie de vous maquiller avec. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que vous devez vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous avez déjà? Si vous avez des teintes plutôt chaudes, essayez peut-être une palette de nude plutôt froide. Si vous avez des teintes plutôt rose-mauve, essayez une palette de tons avec des tons plutôt marron-orangé. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Essayez de voir ce que vous avez déjà et de ne pas racheter la même chose. Souvent, c'est le risque. Pourquoi? Parce que c'est des teintes généralement qu'on aime beaucoup, évidemment, si on a acheté en première intention cette palette-là. Et du coup, le risque, c'est de ne pas utiliser l'une ou l'autre. Soit de délaisser votre première palette, soit de ne pas utiliser la nouvelle. Donc, ce serait un peu dommage. Donc, essayez de vous dire, bon, ok, j'ai déjà ces teintes-là, on va essayer de voir autre chose. On va essayer de se diriger vers des teintes différentes. Même si on reste dans du nude, ou qu'on reste dans du foncé, ou qu'on reste dans du irisé, ou du mat, etc., on peut toujours trouver des teintes différentes. Voilà. Ensuite, pour rester un petit peu là-dedans, à côté de ce que vous avez déjà, pensez quand même à ce que vous portez. Généralement, si vous êtes une fan de mat et que vous avez beaucoup de mal à mettre des irisés, que le seul irisé de votre palette, vous l'avez jamais utilisé, n'allez pas acheter une palette avec une majorité de tons irisés. Je pense que voilà, c'est de la logique, mais mine de rien, c'est bien d'y penser parce qu'on peut se retrouver un peu comme un couillon en se disant mais j'ai acheté cette palette-là, elle l'a trouvée trop belle, mais finalement moi je porte jamais de teinte irisée, donc en fait j'utilise pas. Bon, ça va avec tout. Si vous ne portez jamais de teinte claire, si vous vous maquillez que en soirée et que votre kiff c'est faire des smoky, n'allez peut-être pas acheter la dernière nude, absolument nude d'Anastasia, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à ça pour ne pas vous retrouver encore une fois avec une palette certes que vous trouvez très belle comme ça de visu, mais finalement avec laquelle vous ne vous maquillez pas. Donc on va commencer avec la Modern Renaissance, donc c'est pas la première qu'elle a sortie bien sûr, mais c'est en tout cas une des premières qui est apparue en France, il me semble, du moins qu'on a trouvé facilement en France, de chez Anastasia. C'est une palette de nude avec des couleurs hyper pop qui sortent du lot, vraiment. C'est ça que j'adore dans cette palette, c'est que vous pouvez faire des make-up nude,
Mais vous pouvez également vous faire des make-up plus chargés, des make-up plus colorés, puisqu'on a des teintes roses, des teintes un peu entre le rose et le bordeaux, là, avec la teinte Venetian Red, Love Letter, voilà, qui sont des teintes rouge, rose, fuchsia. Et on a Red Ochre, qui est vraiment, voilà, un rouge ochre. Cette couleur porte vraiment bien son nom. Voilà, donc pour moi, cette palette, elle est faite pour qui? Je pense que cette palette-là, c'est vraiment fait pour les gens qui aiment, pas, qui aiment le nude majoritairement, mais qui aiment avoir de temps en temps un petit peu de couleur, un petit peu d'originalité dans leur make-up. Ensuite, la deuxième palette qu'Anastasia a sortie et que j'ai achetée sur le site UK à sa sortie, je l'attendais cette palette. Quand j'ai vu la palette, je suis tombée amoureuse de cette palette et je pourrais pas choisir entre mes Anastasia, mais voilà, la subculture, c'est vraiment pour moi, ça a été mon plus gros coup de cœur, voilà, dans l'immédiat. Même si aujourd'hui je me maquille avec toutes, que je les aime toutes, la subculture, ça a été mon plus gros coup de cœur au premier abord, j'ai envie de dire, chez Anastasia Beverly's, vraiment. Et pour le coup, c'est une palette qui est hyper originale et qui a fait énormément de polémiques, qui ne plaît pas à tout le monde. Au-delà de la polémique sur le fait les fards poudreux, on va y revenir, je parle d'abord des teintes, voilà, c'est des teintes hyper original, c'est des teintes dans les tons plutôt nude mais très foncés et en même temps cette palette là elle sort du lot, je veux dire c'est la première fois qu'on voyait des tonalités comme ça dans une palette rassemblée ensemble, cette harmonie de teintes avec une majorité de fards mat pour cette palette-ci puisqu'on a uniquement 3 fards irisés sur toute la palette, on a le fard Adorn et après on a 2 fards duochrome qui sont le fard électrique et le fard cube. Moi je vois ça comme soit on la voit et on se dit wow, ok celle-là elle sort du lot, celle-là il me la faut, ou alors on se dit wow, c'est quoi ces teintes là, je maquillerai pas avec ça. Voilà, c'est vraiment des teintes hyper originales. Donc on va reparler un petit peu de l'histoire de la polémique des fards. Les fards Anastasia sont des fards poudreux, sont des fards ultra pigmentés. Je pense que c'est les fards les plus pigmentés. Si vous voulez une comparaison par exemple avec les Huda, que j'ai aussi, j'en ai 2 de chez Huda, les fards d'Huda sont très beaux, ils sont très pigmentés, mais ils sont moins pigmentés que ceux d'Anastasia. Ça c'est clair et net. C'est des palettes avec des fards ultra pigmentés, Anastasia. Je ne trempe pas mon pinceau comme dans une Too Faced. Dans une Too Faced, pour avoir un peu de matière, j'ai tendance à mettre mon pinceau dedans. Ne faites surtout pas ça avec la subculture. Il faut juste tremper votre pinceau tout doucement, mais vraiment c'est effleurer le fard quoi. Effleurer le fard, ça suffit, pof, et vous avez la couleur limite pour les deux yeux, quoi. C'est une palette qui a un pigment énorme, et d'ailleurs, elle le disait, ce sont des pigments pressés. Donc forcément, voilà. Pour en revenir en tout cas à cette palette, pour qui est-ce qu'elle conviendrait? Déjà pour la personne qui a un coup de cœur dessus. C'est une palette hyper originale, avec des tons particuliers, donc voilà, il faut la voir et se dire, oh, punaise, elle m'inspire cette palette, je vois tellement des make-up que je pourrais faire avec. Ça reste le même conseil à chaque fois, mais voilà, c'est la vérité. Il faut quand même être fan de fard mat, parce qu'encore une fois, elle a que 3 fards irisés, dont 2 holographiques. Cette couleur, elle peut faire peur dans la subculture. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vert caca dégueu? Parce qu'en fait, ce fard-là, comme ça dans la palette, il peut paraître jaunâtre, un peu pas très joli. Sauf que les gars, quand on le met par-dessus un fard, un des fards mat vert, là, ça fait un mélange, mais... wow, sublime. Les fards holographiques sont absolument magnifiques. Par contre, le petit bémol que j'aurais à mettre sur cette palette, c'est que ces fards-là ont tendance à se patiner assez rapidement. Ils ont tendance à se patiner. Donc, ce qu'il faut faire... Bon, vous voyez, c'est quand même très pigmenté pour un fard patiné, hein, on est d'accord. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour la subculture. Voilà, pour moi, ça a été un réel coup de cœur. J'adore me maquiller avec cette palette. Pourquoi? Parce qu'elle a des teintes foncées, des teintes hyper originales. Franchement, c'est pas dérangeant du tout. La couleur, elle est quand même là. Moi, j'aime bien l'utiliser avec un spray fixateur. Et là, ça a un rendu juste wow. Alors, ensuite, Anastasia Beverly Hills a sorti la palette suivante, qui était la Prism. Voilà cette petite palette. Alors, quand je l'ai vue sur les réseaux, j'ai été déçue parce que pour moi, elle ressemblait énormément à la subculture. Et au final, je ne l'ai pas achetée tout de suite. Je l'ai achetée en fait moi uniquement cet été parce qu'elle était en solde sur Sephora. Voilà, elle était à moins 30%. Une palette ABH à moins 30%, on crache pas dessus. Et en fait, je regrette absolument pas de l'avoir prise parce que j'avais tort. J'avais tort. Elle ne ressemble pas à la subculture. C'est vrai que ce sont des teintes également très original. Le fard ici Eden de la Prism et le fard Roxy de la subculture qui peuvent se ressembler et encore ce ne sont pas les mêmes teintes. Hein. Celui-ci est beaucoup plus corail, il y a beaucoup plus de sous-tons chauds et beaucoup plus saumonné. Celui-là est un corail beaucoup plus orangé, donc c'est pas le même. Mais à la limite, voilà, on pourrait dire que ces deux teintes-là se ressemblent. Alors, l'autre fard qui pourrait également, voilà, paraître un petit peu pareil, c'est la teinte Sphinx qui est ici avec la teinte Adorn de la subculture. Effectivement, ce sont des marrons irisés qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais quand on regarde bien, puisque moi je ne compte pas le fard clair mat qui est ici, parce que dans toutes les palettes il y est, et voilà, pour moi c'est logique.
Donc on a deux teintes qui se ressemblent. Voilà, on a par contre des couleurs extrêmement originales, des couleurs assez froides également dans la prisme et beaucoup plus de fards irisés dans la prisme. 7 fards mat pour 7 fards irisés, donc on a moite-moite, contrairement à la Subculture. Ces deux palettes pour moi qui sont complémentaires, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté les deux. Voilà, bah écoutez, en gros, je pense que tout est dit. Alors la Prisme, pareil, c'est une palette pour les personnes qui ont plutôt envie de faire des smoky, avec des teintes relativement froides, il y a peu de teintes chaudes dans cette palette-là, et puis avec des couleurs évidemment originales. Donc voilà, on a vraiment des reflets, des fards à reflets magnifiques. Osiris, il a des micro-paillettes roses à l'intérieur. Trône, lui, il est vert, mais vert noir. Je sais pas, comme s'il avait des micro-paillettes vert sapin à l'intérieur. Si pour vous la Subculture c'était un petit peu trop mat ou les couleurs étaient un petit peu trop terne, entre guillemets, si on peut dire ça. Voilà. Ici, vous avez une palette qui est quand même un peu plus vive, tout en restant dans les tons foncés. Si vous avez envie de faire de magnifiques smoky, mais plutôt avec des teintes irisées, penchez-vous sur la Prisme. Ensuite, Anastasia Beverly Hills a sorti de nouveau une palette de nude et c'est la Soft Glam. Alors cette palette-là, je crois qu'elle a fait un carton. Contrairement à la Subculture et à la Prisme, voilà, où je pense que moins de monde ont adhéré. Pour le coup, la Soft Glam, là, ça a été un gros carton. Quand j'ai vu le packaging Soft Glam, je me suis dit, bon, alors ça va être une palette de nude chaud. Le packaging va avec ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve, donc là-dessus, voilà. Je me suis dit, oh, non, je pense que là-dessus, à mon avis, je vais passer mon chemin. Sauf que quand j'ai vu la palette, oui, c'est des nudes. Oui, ils sont chauds, mais je peux pas vous expliquer, j'ai un coup de cœur encore une fois pour l'harmonie de teinte, quoi. Enfin, on a ce Mulberry, cette teinte qui est absolument magnifique, on a un noir mat également, et puis sans parler de ces teintes irisées. Là, on en a 5 dans la palette, mais wow, quoi. Rose pink, sultry, bronze, enfin, ils sont, même si c'est des dorés, je trouve qu'elle a su mettre deux dorés tellement différents avec lesquels on peut faire deux choses vraiment différentes. Enfin, concrètement, voilà, pour moi, c'est une grosse réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des teintes qui sont les mêmes que dans la moderne Renaissance. Et ça, ça a été mon bémol avec la Soft Glam. Même si ce sont des teintes, j'ai envie de dire, qu'on utilise dans beaucoup de make-up, puisque c'est tout d'abord le fard base nude, le Tempera. Donc, celui-là, il ne me dérange pas. On a effectivement Cyprus Amber et Burnt Orange qu'on a dans la moderne Renaissance également, à savoir. Pour la Soft Glam, ce que j'ai envie de dire, ben, clairement, si vous avez envie de nude chaud, là c'est la palette qu'il vous faut, genre. Et si vous aimez quand même les fards irisés qui se voient pas mal, parce que je peux vous dire que le bronze, quand on le met, waouh, il fait son petit effet. Ça conviendra aux personnes qui ont envie de teinte nude et qui ont envie d'une palette go-to. Pourquoi ? Parce qu'avec cette palette là on peut très bien faire des petits make-up simples de journée. On s'arrête là, voilà, vous avez votre partie make-up simple de journée. Et là, vous avez, pouf, l'autre côté avec toute votre partie pour faire de beaux smoky dans les tons nus. Ensuite, Anastasia, cet été, juste avant l'été, enfin dans le courant de l'été, a sorti la Norvina. Alors, cette palette-là, elle a eu un succès fou. Et franchement, je suis d'accord. Là, pour le coup, je suis d'accord. Je suis rarement d'accord avec la plupart des gens au niveau coup de cœur palette, etc. Mais alors, pour la Norvina, si. Je trouve que cette palette a fait l'unanimité. Et juste en regardant ses reflets, on peut comprendre pourquoi. Je pense qu'après la Subculture, ça a été mon deuxième énorme coup de cœur chez Anastasia. Les autres palettes, je les aimais toutes, j'avais toutes des coups de cœur pour, hein, toutes, mais là, quand j'ai vu la Norvina, c'était pas une question, il me la fallait. Et d'ailleurs, dès qu'elle est sortie, je l'ai achetée tout de suite. Ici, on n'a aucun fard qu'on retrouve dans d'autres palettes. On a des fards donc avec des tonalités plutôt froides. En fait, ce que j'aime bien dans les palettes Anastasia, c'est que je trouve qu'elle mélange les tonalités. Du coup, pour cette palette-là, eh ben écoutez, il faut aimer les roses et les violets, déjà, parce qu'on a quand même ce bleu ici mat qui a beaucoup de sous-tons violets. On a ce rose de cochon, ce rose bonbon là, Wild Child, irisé, on a Célestal, ce beau violet, et on a ce fard, alors c'est un fard mat avec des micro-paillettes, le truc c'est ouf quoi, mes cheveux me saoulent à un point, vous l'imaginez pas. Ici on a moitié de fard mat, moitié de fard irisé, bon en comptant que le fard Love soit un fard mat, parce que moi je trouve qu'il a plutôt un rendu mat, même s'il est très lumineux avec ses micro-paillettes, je pense que c'est une palette qui est le bon compromis pour découvrir Anastasia. Parce qu'on a une palette avec laquelle on peut faire des choses très sobres, mais en même temps, on a des couleurs hyper intenses, hyper originales, Célestal, Rose Gold. On peut faire quand même de beaux make-up bien originaux avec cette palette-là. Écoutez, voilà pour toutes les palettes que j'ai de chez Anastasia. On va pas quand même s'arrêter là, je vais vous parler de la Sultry, qui est la palette édition de Noël de chez Anastasia. Je vous mettrai des petits close-up un peu tout autour de moi pour vous ayez des images, parce que je n'ai pas cette palette. J'ai eu des questions, j'ai eu pas mal de questions en fait. On m'a pas mal demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas de vidéo sur cette palette-là. Est-ce que je comptais l'acheter, etc. Alors,
La Sultrie, c'est une palette qui est très très belle. Le packaging m'a rendu folle et je pense que ça m'a bien déçue, finalement. C'est pas une palette qui est moche, non, je peux pas dire ça. C'est une belle palette. Mais encore plus vu le packaging, enfin je sais pas, c'est Noël. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, de beaucoup plus original, quoi. Enfin, ce sont des fards nudes, froids. Il y a de beaux fards irisés, je pense, c'est sûr. On a un fard qui sort du lot, un corail rouge. Évidemment que si je l'avais, je m'amuserais avec, voilà. Et ce n'est pas dit que si un jour je la trouve en solde sur le site Anastasia, je ne craque pas. Je pense que c'est une palette qui va vraiment plaire à la majorité d'entre vous. Donc pour la Sultrie, si vous voulez une belle palette de nude froid pour faire des make-up et de journée et de soirée, c'est vraiment une palette par contre qui peut vous convenir. Je pense. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements sur une palette en particulier, n'hésitez pas encore une fois. Je vous ai mis les vidéos dans le petit. Vous avez les articles en barre d'infos. En tout cas, pour le Black Friday, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Mon pseudo, je vous le mets juste là en bas de l'écran. C'est Elie Sainty, comme le nom de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker ma story le 23 novembre dès le mat, parce que moi, je peux vous dire que pour le Black Friday, je vais être levée tôt pour ne pas louper les bons plans. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner et à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très très vite sur le blog et très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !